Bon, le stream drop pas de frame pour l'instant, c'est pas mal. Bon. On va voir, hein. C'est vraiment un test aujourd'hui, juste pour voir si ça marche bien. Et pour faire un petit stream des enfers, entre guillemets. Alors, du coup, Florent Mollet. Match amico. Jeu en ligne. Et son par contre. Alors ça on l'a fait déjà, c'était pour avoir Koundé, c'est bon. On va faire ça. Let's go. Notre petite équipe de bras cassés. 77 de général. De toute façon, on n'a pas besoin d'avoir plus. Enfin, on est obligé d'avoir 77 maximum. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir des Mbappé chez certains joueurs, ce qui met tous les joueurs à 75 plus Mbappé. Hein. Donc let's go. Alors nous, manager de talent, il faut qu'on gagne un paquet de matchs. Malheureusement, on ne gagnera pas tout aujourd'hui parce qu'il faut gagner 15 matchs. J'ai juste commencé ce matin, il faut avec 2 victoires en 3 matchs. C'est juste histoire de progresser un peu sur le défi. Et lui, il fait le défi MLS. Salut Amphibie, comment ça va? Le monsieur en face fait le défi MLS, donc j'espère qu'il va pas m'envoyer du Mbappé plus tard. Donc lui, il a besoin de gagner avec son équipe de MLS pour débloquer Boyan, et moi je dois gagner pour progresser dans le défi Florent Mollet. Donc on va voir comment ça marche. Bon, je suis pas très bon à FIFA, hein. Surtout là en stream, je vais tester. Donc, ok, bon, lui. L'avantage de ce mode de jeu, c'est que les équipes sont pas ultra cheatos. Donc. D'accord. Mais le problème c'est que du coup c'est des joueurs avec lesquels tu joues jamais, typiquement. Je joue avec du Moiskin. Mais moi ça me permet de le tester au moins, du Moiskin, du Renato Sanchez, mais pas la grosse carte malheureusement. Du Les Melou, enfin c'est assez rigolo au final. Bon, par contre je touche pas un ballon et il va me fumer d'entrée. Ok, bien les semis. Ah. But. Ah, il m'a fumé, là. Bien joué. Lui, il est trop fort, hein. Martinez. Il fait trop mal. Bon, par contre, ta célébration, mec. Ah là 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 là. Ah, il m'a fumé, j'ai même pas eu le temps de toucher la balle du match. Ah, par contre, gros, avance les ralentis, s'il te plaît. Merci. Lui, c'est une carte très forte de MLS. Bon, du coup, j'ai pas pu toucher la balle, c'est vu que c'est cool, hein, depuis l'engagement. Allez hop, on va essayer de faire un petit peu mieux. Bon, je vais peut-être pas marquer direct sur ma première occasion, mais. Alors en plus, je teste une nouvelle compo depuis quelques jours, donc. D'habitude, je joue en 4-2-3-1, mais là en ce moment, ça fait une semaine que je teste le 3-5-2, j'aime beaucoup.
Donc à voir. Alors pour la musique, j'ai mis que de l'Hotline Miami 2, comme ça je risque pas de me faire keblo par par Twitch ou quoi. C'est une seule vidéo, c'est une playlist des musiques d'Hotline Miami. Oui, laisse mes louches, t'es vu. Ah, j'ai... Putain, trop fort. Trop fort la passe. Je sens que lui il va me fumer. Comme le saumon. Ah, putain, si en plus il court sur les côtés. Ok, non, là on a pas trop mal défendu. Ah, de Nayer, putain, il récupère tous les ballons. Quel étacard. Putain, je dois jouer avec des joueurs sans déconner. Quel étacard à ma vie. Ah putain, what? Ok. Si au moins on pouvait marquer un but, histoire de pas jouer pour rien, parce qu'en fait le défi mollet c'est. Bon, déjà il faut gagner 15 matchs dans ce mode de jeu. Bon, pour l'instant j'ai fait 3 matchs, j'en ai gagné 2. Ensuite il faut marquer 30 buts en tout, faire une vingtaine de passes D. Donc là j'ai un petit peu avancé. Après il faut marquer 4 buts en dehors de la surface et des buts en finesse. Ça va. En fait ce qui est plus chiant c'est de gagner 15 matchs quoi. Parce qu'en fait tu joues contre des mecs de niveau de la division Rivals. Là en ce moment je suis en D3. Donc je joue contre des gars de D3. Ah oui, Atal. Il défend bien le bout. Bon, j'ai pas regardé en quoi il jouait. J'aurais peut-être dû regarder. Ça c'était complicado. Ah putain, c'est quoi cette passe, Herrera, sérieux. Ah lui, franchement, il joue bien. Enfin, et j'ai un peu de mal à me mettre dans le match, honnêtement. Enfin, en fait, il a des meilleurs joueurs, tout simplement, parce qu'avec la MLS, je peux faire des trucs un peu plus... Putain. C'est quoi ces passes de Gaulmont que je... Putain, j'arrive même pas à me dégager. Bien. C'est de l'Hotel Miami, ça? Je reconnais même pas la musique. Puis bon, sa défense au para longue là, ça va être compliqué. Oui, on t'a vu avoir, on t'a vu. Ah putain, dommage. Ah putain, t'es hors jeu, Kin. Ok, on le met à l'Esmelou. Et la frappe en dehors de la surface. Ouh, c'était pas si mal. Là, je vais essayer de tirer de loin parce que j'ai un défi où il faut marquer en dehors de la surface en plus. Faut que je le fasse 4 fois. J'ai déjà fait 2 fois dans les 2 premiers matchs. C'est con que j'ai pris le but à l'engagement. Parce que depuis, c'est assez équilibré. Même si j'ai pas d'occasion, donc lui non plus pas trop. Mais. Ah non, par contre, les comptes favorables, le chef. Non, 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 non. Ah putain, but. Ah putain, je prends un but sur un vieux compte favorable, ça fait chier. Bon. Bon, c'est remontable, hein, franchement. En vrai, je pense que c'est remontable. Mais ouais, le Martinez, il fait mal au cul. Hein. Le Martinez, il fait mal. Et j'arrive pas à me créer d'occasion, c'est surtout ça le gros problème au final. De toute façon, tu peux pas gagner tous les matchs, c'est impossible. Autant le premier but, il y avait rien à dire, autant le deuxième, il fait chier quoi. C'était pas un but ultra mérité, mais sur l'action. Oh, il aurait pu tirer en vrai. Il était gentil sur le coup là. Waouh. Ah, je me fais boire sur ce match, terrible. J'en viens au moins marquer un but histoire de.
C'est pas du tout ce que j'ai demandé. En plus, comme passe, lol. Ok, bon, je me suis fait boire sur la première mi-temps. Ouais, normal, normal, normal. Bon, les stats, ça donne quoi? Il joue comment, surtout lui? Il joue en 4-2-3-1. Et ça va sur son banc, il a pas des mecs trop cheatés. Ah, il a Kudus, ce qui est pas mal, en vrai. Son super sub. Bon, je ne suis pas créé d'occasion, il joue bien. Il joue bien et moi, je joue pas bien sur ce match. De base, j'ai pas un gros level, hein, de toute façon, sur FIFA. Je fais hors 3, hors 2 sur FUT Champion, donc ce qui est pas du tout un truc exceptionnel, hein. Mais non, lui, il joue très bien. Antonio. Ah, c'est le mec de West Ham, ça. Ah, d'accord, il a fait rentrer ses super subs. Ça, par contre, c'est moyen cool. Putain, et Keane... Ça se voit que c'est une carte argent, hein. Ah, dommage, le petit dive qui est pas passé. Allez, Atal, bat-toi. Moïse Keane, il est argent? Ouais. Ouais, ouais, il est argent, ouais. Mais là, par contre, j'ai sa carte spéciale qui est une carte argent, mais une carte or déguisée, quoi. Sa carte générale, je crois, Moïse Keane, il doit être à 73, 74, mais j'ai sa carte spéciale argent, là, qui avait en défi la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je sais plus. Et, du coup, en fait, c'est une carte, on va dire, qui est notée 74 de général, mais les stats in-game, c'est plus du 77, 78, je dirais. Ah, meilleure musique de Clan Miami 2. Ah bordel, putain, je me fais défoncer par contre. Non, il joue bien, il joue bien, il joue bien. Après, j'ai encore du mal avec cette compo, parce que en fait, je joue en 3-5-2 avec Atal en buteur. Hein. Gros lol. Atal. Oh oui, Youssef Atal. La frappe en finesse en dehors de la surface. En plus, je fais deux défis d'un coup. Ouais, ça remonte ce match. Hein. De son mauvais pied. Ah, par contre, putain, au milieu, je me fais déglinguer. Mon milieu, il est très très faible, en fait. C'est ça, mon problème. En fait, la carte, elle est tellement forte que, en fait, je l'ai mis en buteur. Elle vous gênez pas, surtout. Ah, putain, il se gêne. J'y crois pas. Il se gêne. Bon, on gagnera peut-être pas ce match, mais j'ai réussi deux défis. Hein. J'ai réussi deux défis d'un coup, c'est pas mal. Enfin, deux défis. J'ai avancé dans deux défis. Antonio, ah lui il va très très vite. Ah putain, il m'a maniqué. Oh putain, bien gardien. Bien le compte. Ah, il a mis le pressing. Tiritat. Ouais, en milieu défensif, j'ai Herrera du PSG et Soumaré de Lille. Avec ça, tu vas très loin. Hein. J'ai mis Renato et Aouar sur les côtés. Enfin, je te montrerai la compo après le match. Vu que je suis en plein test du 3-5-2. Mais, putain, c'est pas lui que je voulais faire la passe. Putain, Moïse Keane en passe, c'est une catastrophe. C'est une cata. Aïe. Bien. Ah non, lui compte favorable. Il est hors jeu là, non? Bien denier. Hein. Koundé, en fait, Danilo du PSG. Non, j'ai pas essayé. Je l'ai dans mon club, mais là en fait, il rentre pas dans mon équipe parce qu'il est trop noté trop haut. Faudrait que j'enlève quelqu'un. Koundé, j'ai réussi à le faire en fait. Mais j'ai galéré aussi, hein, Koundé. Surtout qu'il y avait des mecs qui faisaient rentrer des Mbappé, des compagnies là, c'est insupportable. Je te montrerai, en fait j'ai Koundé je l'ai fait du coup, mais ça m'a pris du temps aussi. 6 ans de follow depuis 2 jours, putain la vache, ça date. Ah, je te montrerai mon club après, entre je vais pas faire que des matchs, je vais te montrer un peu mon club et tout ça. Alors j'ai pas mis 1€ dans le jeu, mais bon, j'ai beaucoup tryhard, époque SMB, la base. J'ai beaucoup de tryhard, donc tu verras, j'ai beaucoup de crédit. J'ai 700 000 crédits, quoi, donc.
Par contre, j'ai pas d'occasion là. À part ma frappe qui est un peu un miracle en vrai. Allez, cours, cours, Kin. Je montrerai quelques équipes. J'ai une équipe argent pour les défis argent. J'ai une équipe, mon équipe de Serie A. Non, 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 mais putain, mais c'est quoi ces comptes favorables, sérieux? Mais ouais, non, Koundé, franchement, je te conseille de t'accrocher, honnêtement, Phoebe, si tu peux y arriver. Faut que tu t'accroches sur Koundé, parce que c'est une très bonne carte. Qui peut évoluer en plus. Là, tu vois, Mollet, je comptais pas le faire en fait, mais vu qu'il y a eu la carte d'Atal qui est sortie, vu que j'ai Lesmelou en carte fut champion, et que en gros, Mollet il est gratos, ça prend du temps malheureusement, mais j'essaye de le faire du coup. Au début, je voulais pas le faire, Mollet. Hein. Ah, il arrête de jouer? Il est sérieux? Ah, il gagne du temps. En vrai, c'est remontable encore. Hein. C'est la 86ème. Ok, je t'explique. Bah, en fait, les cartes fut champion. Bah, attends, je finis le match et je t'explique tout. Je t'explique pour la fin. Allez, Smelou. Oh, c'est quoi cette frappe claquée, putain? Bon, bah, je comptais sur un Lesmelou frappe en dehors de la surface pour gagner, enfin pour égaliser. On va perdre 2-1 ce match. Bon, en vrai, oh non, par contre, il gagne. Oh non, mec, tu t'as bien joué tout le match et là tu gagnes du temps. Oh, c'était sérieux, putain. C'est un mode amical en plus. Hein. C'est incroyable, c'est un mode amical, les mecs, ils jouent là. Mais l'arbitre, il a pas laissé le temps, j'avais 40 la balle. Putain, j'avais 40 la balle à la fin, putain, je pouvais partir marquer. Ah, fait chier, putain. Ah là 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 là, terrible. Terrible. Bon, on a quand même marqué un but en dehors de la surface. En vrai, ça me convient. Ça va nous compléter le défi. Alors du coup, les cartes fut champion. Je vais t'expliquer. Attends, déjà, je vais vérifier que le défi mollet, il avance bien. Joueur de Ligue 1. Alors normalement... Ok, je suis à 3 sur 4 en frappant dans la surface et 4 sur 6 en frappant finesse. Ok, ça, c'est cool. Alors les cartes fut champion. Donc en gros, tous les week-ends, c'est à fut champion. Donc en gros, fut champion, ça pour 2000 points Rivals. Donc tu t'inscris à une compétition qui s'appelle fut champion. Et en gros, ça démarre le vendredi matin à 9h et ça finit le lundi matin à 9h. Et en fait, t'as 30 matchs à faire. Donc t'as 30 matchs à faire dans cette période de temps. Donc en gros, pour les gens qui travaillent, donc c'est-à-dire comme les gens comme moi par exemple, bah moi du coup, j'ai que le samedi et le dimanche. Donc bah du coup faut faire 30 matchs dans le week-end, ça prend du temps. Et en fait dans ces 30 matchs, bah faut que t'en gagnes le maximum. Donc en fait sur ces 30 matchs, ben en fonction de ton nombre de victoires sur ces 30 matchs, bah t'as plus ou moins de récompenses. Donc moi typiquement, tu vois, le week-end dernier j'ai fait 17 victoires en 30 matchs, donc j'ai fini hors 2. Donc 17 victoires, 13 défaites. Et donc dans ces récompenses là, du coup j'ai deux joueurs fut champion. Et puis des packs. Des points fut champion pour avoir la qualification automatique, pour pas avoir reformé les 2000 points rival, c'était crédit. Et alors en fait, les cartes fut champion, ce sont des choix où tu as des joueurs de la semaine. Donc typiquement, la semaine dernière, dans fut champion, j'avais le choix entre les joueurs de l'équipe de la semaine numéro précédente, qui était claquée au sol. Et c'est des cartes en rouge, pour indiquer que c'est des cartes que tu as obtenues en fut champion. Alors du coup, où est-ce que je peux te montrer l'équipe de la semaine? Où est-ce qu'on voit ça dans l'équipe de la semaine? On voit les équipes de la semaine dans ce putain de mode de jeu. Où est-ce qu'on voit les équipes de la semaine? J'en ai aucune idée. Donc du coup, dans mon équipe, tu vois, dans l'équipe de la semaine, la semaine dernière, il y avait Lesmelou à 82 de général. Et moi, en fait, je l'ai eu dans mes choix fut champion. En fait, on m'a proposé 4 cartes. Et en fait, parmi les 4 cartes, il faut en garder une. Donc en fait on m'a proposé 3 joueurs, enfin même Lesmelou c'était vraiment pas fou parce que tu vois dans l'équipe de la semaine il y avait du Karim Benzema, il y avait du Serge Gnabry, il y avait du Joao Félix, il y avait du même Mateus Cunha qui était pas mal. Enfin il y avait des joueurs sympas, moi on m'a proposé que de la merde et Pierre Lesmelou qui était le moins pourri des 4. Donc pour mon premier choix en fait j'ai pris Pierre Lesmelou qui est en fait une belle carte honnêtement pour un 82 de général, assez équilibré.
Et en plus, il a le lien parfait avec Youssef Attal, que j'ai fait en squad en défi création d'équipe hier soir. Qui a une carte de ouf, franchement, pour un 82 général. Et en plus, celle-là, elle peut évoluer si Nice va loin en Europa League. Bon, ça, c'est un peu moins sûr, par contre. Et en deuxième carte, fut champion, j'ai eu, pareil, un autre joueur complètement claqué au sol. J'ai eu Gabriel d'Arsenal, tu vois. Un autre joueur à 82. Donc là, tu vois, à 19h ce soir, il y a la nouvelle Team of the Week. Je sais pas si c'est 18h ou 19h. T'as la nouvelle Team of the Week. Et du coup, bah, il y aura d'autres joueurs. Et en fait, parmi tous ces joueurs-là, bah, j'en aurai deux jeudi. Parce que les récompenses du champion, c'est le jeudi. Donc j'aurai le choix entre 4 joueurs de l'équipe de la semaine. Et j'aurai deux fois le choix entre 4 joueurs. Et je prendrai celui que je veux. Bon, en général, je prends le général le plus élevé. Hein. Ou alors un joueur qui rentre dans mes équipes. Donc là, du coup, c'est mon équipe pour le défi Florent Mollet. Donc là, en fait, il faut une équipe 77 de général. Et du coup, ça, c'est la carte de Keane défi. C'était le défi argent de il y a 2 semaines. Non, de la semaine dernière, parce que cette semaine, c'était Okafor de Salzbourg. Donc là, c'était il y a 2 semaines, c'était Keane. Donc tu vois, pour une 74 de général, il a quand même une belle carte. Hein. Bah en fait pour avoir les points en fut de champion faut que tu joues à Rivals en fait en Philippe, après je sais pas quelle est ta division mais faut jouer à Rivals. Mais du coup moi maintenant Rivals j'y joue plus du tout parce que en fait tant que je gagne minimum 11 matchs en fut de champion je suis qualifié automatiquement. Ouais c'est clair, bah moi en fait si, c'est le confinement en fait qui me laisse du temps perso parce que en fait s'il y avait pas le confinement j'irais au sport. Et là vu qu'il y a plus de sport ben je joue à FIFA. en fait du coup division Rivals j'y joue même plus parce qu'au final en fait les matchs fut de champion ils donnent des points à Rivals. Et ils sont comptés dans les matchs à disputer. Et du coup, tu vois. Ok, d'accord, ok, bon. Donc tu vois, je peux encore jouer en Rivals si je veux, mais j'ai pas envie en vrai, parce que bon. Et du coup, en fonction de ta division et du nombre de matchs que t'as joué, tu vois, là par exemple, je gagnerais 250 points fut de champion si je voulais, sur 2000. Et quand tu gagnes des matchs en fonction de ta division, tu gagnes plus ou moins de points. Là, typiquement, si je gagne un match en Rivals. Journée de 12 heures sans confinement. Ah ouais, non mais laisse tomber, ok. Ah oui, effectivement, t'as pas le temps, c'est mort. Effectivement, c'est mort de chez mort. Moi, tu vois, je fais 8h, 18h, on va dire au boulot après. Enfin, 8h, 18h en télétravail, grosso modo. Du coup, ça me laisse un peu de temps de jouer à FIFA, quoi. Mais en gros, fut champion, une fois que tu t'es inscrit, et si t'arrives à gagner 11 matchs sur 30, t'es requalifié automatiquement. Donc en gros, c'est si t'arrives à gratter 11 victoires sur 30, en gros tu gagnes un match sur 3, t'es qualifié automatiquement. Par contre, du coup, t'as moins de choix joueurs, par exemple. Si tu gagnes 11 matchs, t'as droit qu'à un choix rouge parmi 3 joueurs. Si tu gagnes 14 matchs, t'as droit à 2 choix rouges parmi 3 joueurs. Si tu gagnes 17 matchs, t'as droit à 2 choix rouges parmi 4 joueurs. Donc t'as plus de chances d'avoir des joueurs intéressants, etc., etc. Alors du coup, je vais te montrer mes équipes. Un petit peu. Donc là, c'est l'équipe pour le défi mollet. Bon, bah de toute façon, voilà, hein, c'est vraiment pas fou. Hein. Vu qu'on a la contrainte de respecter le 77 de général. Donc du coup, in-game, je joue en 3-5-2. Je joue in-game en 3-5-2, du coup. Enfin, je teste, hein. Du coup, ça fait que ça donne ça. Du coup, Amavi, Kaletachar et Denayer en DC. En 6, Herrera Soumaré. À gauche, Renato Sanchez. À droite, Awar. En 10, Les Melou. Et en attaque, Kin Atal. Parce que Atal, il a tellement une grosse carte que même en buteur, franchement, il passe bien. Alors, par contre, après, mes vraies équipes. Hein. Mes vraies équipes. Donc là, c'est mon équipe de Serie A que je joue en 4-2-3-1. Ça c'est ma petite Serie A. Donc du Alexandro, donc lui je l'ai acheté 24 000 crédits en début de jeu. Malheureusement, écoute, maintenant il a grave baissé. De Lierre 11 000 crédits, Chesney 17 000 crédits, De Vrij 4 700 crédits. Bon là Cuadrado, bon j'ai un peu craqué mon slip, hein, 159 000 crédits. mais par contre maintenant il a grave augmenté vu qu'il est plus dans les packs. Maintenant il a plus de 200 000 crédits, donc si je le revendais maintenant je gagnerais des crédits. Ça c'est cool. Nengolan 6900 crédits, maintenant ça coûte plus rien. Brozovic là par contre lui je l'ai packé quand même hein. C'est comme des joueurs que j'ai packé dans le tas. Eriksen 11000 crédits. Gomez 30000 crédits. Bon là malheureusement maintenant ça vaut plus rien hein, ces joueurs là. Dybala 65000 crédits qui est très très fort. Et Lautaro que j'ai packé. Lautaro qui était mon coup. En fait Lautaro et Eriksen c'était mes deux joueurs coup de cœur de l'année dernière. J'ai gardé l'équipe. Après sur le banc Ilicic, bon Mbappé en prêt, le POTM de Kramaric. Harry Kane, lui, premier détenteur. Le Z, évidemment. Mais bon, le Z, j'ai du mal à jouer avec parce qu'il est lent et moi je suis pas très fort. 58 de vitesse, le Z. Aïe aïe aïe. Enfin voilà, donc ça joue en 4-2-3-1 avec Eriksen en 10. Dybala et Gomez sur les côtés, Lautaro en pointe. Donc ça, c'est une équipe qui est pas mal du tout.
Et j'ai mon équipe argent du coup pour les défis argent de la semaine. Donc là, je connais aucun joueur IRL, hein, honnêtement. Mais c'est une équipe. En fait, pour j'ai fait une équipe pour essayer de caler le maximum de cartes boostées argent. Du coup, la première carte argent c'est Vidra de première ligue, mais tchèque. Donc du coup, je l'ai calé avec des joueurs tchèques. Il y a lui de MLS que j'ai calé avec un allemand de MLS, histoire qu'il ait le collectif. Et là, après, c'est deux mecs de division autrichienne pour que ça aille ensemble. Et du coup, très belle équipe argent, je trouve. Assez original. Après, bon. Je m'en sers que pour les défis argent, hein, évidemment. Et du coup, mon équipe actuelle en fut de champion. C'est ça. Alors, du coup, c'est ma base de Serie A avec. En fait, en défense, j'ai mis Acuna, Fernando et. Enfin, j'ai mis le trio de Séville, en gros, Diego Carlos, Fernando et Acuna. Parce qu'en fait, là, pareil, je joue en 3-5-2. Avec Cuadrado en milieu droit, ce qui est quand même assez fort. Acuna en milieu gauche. Je bascule lui, Fernando en défense centrale. Du coup, après, j'ai un milieu de terrain, Milinkovic, Savic, N'Golan. Et en attaque, j'ai Eriksen, Lautaro, Dybala. Classique. Donc, assez cool. Et du coup, j'ai le petit Koundé. Que je te conseille de faire si t'as le courage. Et j'ai paqué au Black en plus. Il n'y a pas longtemps, là. Le Black 92. Et Koundé, il a une très très belle carte, hein. Et sinon, j'ai le Mukiele que j'arrive pas à caler dans une équipe encore. Mukiele, mais bon, je pense que Mukiele Koundé, ça peut être une base de défense plutôt cool. Et il est où ce petit Koundé? Ah, putain, il est où Koundé? Il est là. Voilà. Et il m'a pris du temps quand même, un petit peu, honnêtement. Ouais, franchement, je te conseille de le faire si t'as le courage parce que c'est une très belle carte. Séville va se qualifier en Ligue des Champions en 8ème. Donc il va passer à 84 de général. 83-84 de général. Franchement, je te conseille de le faire. Je sais plus, il faut gagner combien de matchs, il faut en gagner 10, non? Après, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un mec, à la fin, il m'a laissé la victoire, donc c'est cool. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut gagner 10 matchs et il faut faire 15 matchs avec une passe d'ess, donc ça, c'est un peu chiant. Ça, ils ont un peu abusé sur ce défi-là, je trouve. Honnêtement, ils ont un peu abusé. Est-ce que t'as du coup Koundé? Voilà, alors Koundé, il faut que tu marques 4 buts en finesse avec des joueurs de la Liga. Bon, ça, en vrai, ça va. 5 passes D avec des défenseurs. Alors, c'est pour ça que j'ai joué en 3-5-2 en fait. C'est pour ça que j'ai joué en 3-5-2 parce que les passes avec les défenseurs c'est chaud. Donc c'est pour ça qu'en fait je jouais en 3-5-2 pour mettre les DG en milieu. C'est plus facile de faire des passes D. Là, une passe D dans 15 matchs, ça c'est super chiant par contre, on va pas se mentir. 12 buts avec des joueurs de la Liga, ça en vrai ça va, tu le fais. En fait, ça limite ça et ça se fait en même temps. Et après, par contre, faut gagner 10 matchs. En vrai, le plus chiant c'est gagner 10 matchs et ça quoi. Après, bon, les défenseurs, soit tu les mets sur corner, enfin tu les fais tirer les corners et t'espères marquer de la tête, ou soit tu les mets en milieu pendant les matchs pour qu'ils puissent faire les passes D. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, c'est pour ça que je joue en 3-5-2. Et sinon, j'ai des packs que je garde au chaud pour vendredi prochain, quand tu auras la nouvelle équipe Road to the Final, parce que là, en fait, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse dans l'équipe actuelle. Donc, je garde les packs, et j'ai des packs super intéressants en boutique, hein. J'ai des packs avec que des joueurs rares et tout ça, donc ça reste au chaud. Ah, par contre, les menus dans FIFA, s'il vous plaît, quoi. Tu vois, j'ai des packs pas mal sympathiques, là. Bon, à part celui-là, mais... tout ça, je garde au chaud pour vendredi. Et là, après, mon ma liste de transfert, c'est tous les joueurs en double. Là, en fait, je vois rien, c'est les joueurs que j'ai en double. Tu vois, donc j'ai deux Keylor Navas, c'est vachement utile. J'ai pas mal de joueurs en double, là. Et après, en défi création d'équipe, si t'as les cartes, je te conseille de faire Atal. Atal il coûte une 83 de général et les cartes coûtent pas très cher, donc si t'as les moyens de faire Atal, je te le conseille, le SBC de Atal. Après Mount il sert à rien, Isco il sert à rien, je trouve. Le POTM de Yarzabal, bon, moi j'ai pas de Liga donc bof. Donc bon, le POTM de Ligue 1 Nian, c'est pas mon style de jeu. En vrai, c'était une belle carte, hein. Et je crois qu'il coûtait pas trop cher. Elle coûte quand même 1,84. Bon, du coup, on est reparti pour les défis de mollets. On va essayer de gagner un match quand même, ce serait pas mal. Mais en fait, là, tu tombes contre des gens de ton niveau, voire un peu plus. Donc, et j'espère juste ne pas tomber sur des mecs qui jouent Mbappé, parce que là... les mecs qui jouent Mbappé dans ce mode de jeu, honnêtement... c'est un peu des enfants de plage, hein, on va pas se mentir. Hein. Allez, let's go. Donc ouais, franchement, si tu peux faire Koundé, je te le conseille. Les cartes gratuites en général, si tu peux les faire, faut les faire quoi. Mais bon, ça prend du temps malheureusement. FIFA, le truc c'est que malheureusement Ultimate Team, c'est soit un mode de jeu où tu payes avec ton argent,
Ou tu payes avec ton temps. Là, moi j'ai décidé de payer avec mon temps. Ah, lui, c'est quoi cette session dégueulasse hein. Puis bon, mettre des points dans le jeu, laisse tomber, mettre des points FIFA pour de la loterie, ça c'est honteux. Mais après, les gens, s'ils veulent claquer un SMIC, ils font ce qu'ils veulent, mais. Moi, c'est vraiment le compte à 0€ hein, sur FIFA. Alors, il joue avec quoi lui? Lui, il fait le défi de Ligue 1 pareil. Ah, il a le Renato 82, très belle carte. Il a Di Maria 87, ok, donc je pense pas qu'il y aura Mbappé. Non, non, mais faut pas mettre d'argent dans FIFA, hein. C'est... faut surtout pas mettre d'argent dans FIFA. Hein. Ça, c'est. Sauf si t'as 100 000€ par mois. Ok, bon, il me fera pas rentrer Mbappé, je pense, parce qu'il a Di Maria 87 qui augmente bien la note déjà. Et le Renato 82, je suis un peu jaloux, hein, mais bon, il y a une nouvelle version qui est sortie là, en Road to the Final, version Ligue Europa, je vais essayer de le choper. Ah, Laisse-moi loup. Oh putain! Allez, bon, ça c'est moche, hein, mais on prend. Et on s'appelle Tyran Finesse en plus. Mais non, non, faut pas mettre d'argent dans FIFA. Hein. Enfin, sauf si vraiment t'as les moyens, mais moi je le conseille pas parce que. Si t'achètes des packs, ça apporte. Oh non, il va pas faire rentrer Mbappé. Ah non, mec, fais pas rentrer Mbappé, s'il te plaît. Je t'en supplie. Faut pas mettre de points FIFA dans le jeu. Quoi. EA Sports, c'est des gigadouilleurs, donc. Faut surtout pas. Alors, il va faire quoi? Me dis pas que t'as Mbappé sur le banc. Hein. Alors sur le banc, non, il l'a pas. C'est bien ce que je pensais. Il a Sergio Dest, ok, il y a aucun gros joueur. Ouf. Mais en même temps, quand t'as Di Maria 87, c'est dur d'avoir Mbappé 90 hein, quand il fout une 77 de général. Bon, il faut qu'on gagne ce match, ça a l'air prenable. Bon, après, ça se trouve, il a peut-être juste pas eu de cul au départ, hein, c'est possible. Je sais pas si je suis hors jeu. Ah, j'ai essayé la frappe en dehors de la surface pour valider le défi. Ah, il y a faute là. Mais non, faut mettre d'argent dans FIFA. Surtout qu'en ce moment, il y a plein de streamers qui se mettent à FIFA et puis, putain, ils mettent à balle des sous dedans et j'ai peur que ça influence un petit peu certaines personnes qui sont entre guillemets influençables. T'as les Gotaga et compagnie, ils sont bien pas à FIFA là. Ils mettent un paquet d'oseilles dans le jeu. Après, ils ont les moyens donc tant mieux pour eux. Hein. Mais faut que les jeunes fassent gaffe. Oh putain, on a de la chatte. Oh, laisse-moi loup, cette frappe claquée au sol, putain. Donc, non, faut. Voilà. Pour ça, moi, je mets pas du tout d'argent, mais je paye avec mon temps, hein. Parce que les crevards, c'est. Enfin, du coup, je suis un peu le crevard sur le jeu, mais. Les vrais crevards, c'est EA Sports au final. Moi, le moindre petit crédit que je peux gratter, franchement, j'essaie de gratter. Parce qu'au final. Je sens que je vais me faire douiller sur cette action. Non, c'est bon. Ah, mais c'est Hotline Miami 1 et 2 la playlist. Parce que Tech Noir, c'est pas dans le 2. Hein. 100%. Allez, Atal, on t'a vu. On t'a vu, Atal. On t'a vu, Atal. Ah! Dommage Atal. C'est là que je regrette de ne pas avoir fait le SBC de Denayer parce qu'il avait une super carte en briseur de règles Denayer. J'aurais pu le faire mais bon il coûtait un peu cher. Je trouvais. Demander une 84 et une 85. Laisse-moi. Ah putain. Je vais tellement faire mon en dehors de la surface. Alors que j'ai eu le temps de le faire dans d'autres matchs hein, mais. Bien qu'elle est ta carte. Et au moins l'avantage de Zephy c'est que tu joues avec des joueurs avec lesquels tu joues jamais. Typiquement sous-marée de Lille, lol quoi. Ah je fais de la merde avec Keane. En fait avec Keane il faut pas réfléchir, c'est tu passes direct la balle ou tu cours. Parce que en fait en dribble il est pas ouf. Et en passe il est claqué au sol. Mmh.
Oh, cours, putain, il est pas allé avec son gardien. Oh, j'ai croqué, c'est honteux. J'aurais dû tirer comme un bœuf, mais... Ou faire la passe en bas, j'ai pas osé, putain, je suis con. J'avais pas envie de marquer un deuxième but de merde, j'avais... quoi. Surtout que l'autre, il se serait pas gêné en plus. Et oh putain. Dégagez-moi ça. Putain. Ouh, c'était pas mal ça. Belle frappe, Mouiskine. Renato. J'ai pas de solution. Oh, pas mal ça. Ah. Je veux trop marquer en dehors de la surface. Hein. Moi, je suis trop pas sur long shot, moi. Oh putain, elle est déviée, quel dommage. Je pense qu'elle partait bien en plus celle-là. Bon, en tout cas, on domine pour l'instant, mais on n'est pas à l'abri. 1-0, c'est pas suffisant. Oh oui, Herrera. Oh putain, mais c'est quoi son gardien là? Il est trop fort. Hein. Oh, il est moche. Oh putain, je pensais qu'on allait marquer, mais il a bien passé son défenseur, ou alors le défenseur il a fait un bon mouvement, j'en sais rien. Putain, 1-0, c'est pas cher payé, hein, putain. C'est pas cher payé, honnêtement, ce match. Putain, Walter Benitez, il me fait des arrêts. Faut qu'on marque un deuxième but, qu'on se mette à l'abri, parce que là, on n'est pas à l'abri d'une douille. Hein. We are not... Protecting from Douille by eSports again. Hein. Bien la défense. Mais on n'arrive pas à se dégager. Bien de d'ailleurs. On t'a vu Oussem, on t'a vu. C'était peut-être un peu présomptueux. Ah putain, mais tant de paf. Je veux tellement marquer en dehors de la surface, c'est un délire quoi. C'est 100%, on va se prendre la douille, hein. 100%. Bon, merci pour la passe, c'est gentil. Yes. Je suis un peu plus serein maintenant. Ah oui, Kin, je crois qu'il avait 70 en passe, il a 60, ça se voit, hein, franchement. Franchement, ça se sent qu'il est nul en passe.
Putain, mais le défenseur qui met son pied automatiquement là, abusé. Ah, je pensais qu'on aurait pu avoir le contre. Ah, c'est arrêté la playlist. Bon, c'est quoi cette frappe? Putain. Oh oui, magnifique. Oh non, putain, cracotte, ça cracotte. Trop fort, putain, mais je vais pas y arriver à ce but en dehors de la surface. Puis j'en ai plus qu'un à faire. Putain, c'est ce tir. Putain, c'est un délire ce match. Ah, il était pas hors jeu, dommage. Je veux tellement marquer mon petit but en dehors de la surface que je fais un peu n'importe quoi. Ah, la playlist, elle a bugué. Et le problème, c'est que vu que je joue sur PC et FIFA, il aime pas le Alt Tab. Si je clique n'importe où ailleurs sur mon PC, il va me faire perdre le match FIFA. Parce qu'il aime pas qu'on aille sur une deuxième fenêtre entre temps. Enfin, c'est complètement débile en 2020. Hop. Bah là, chef, t'as mis ton gardien un peu en plein milieu, quoi. Enfin, il va rush kit, je pense. Ok. Ok, bon, là, on a mis des buts. C'est bien, on a fait des passes D. On a fait le but en finesse. Très, très bien. Oui, la playlist était en pause. Hop. Du coup, le défi mollet. On est où? Alors, 3 sur 15, on a fait 1 cinquième, on a fait 20%, on a fait 20%, on a 15 buts sur 30, ok, 10 passes D, ok, il nous reste un but en finesse et un tir en dehors de la surface, ok. Oh, il a Wissam. Oh putain, mais comment il peut avoir une aussi grosse équipe, le mec? Oh là là, Wissam et Voland. Aïe 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 aïe, on va se faire laver le cul. On va se faire laver le cul, Wissam. Aïe 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 aïe. Et il a Atal aussi, lui il connaît, il sait. Putain, on va se faire laver le fion là. Wissam et Voland en rouge. Mais Atal, t'es sérieux? Putain, la cracotte! Bordel de merde! Oh, la giga cracotte! Bon, ça va, on marque juste derrière. Oh oh, très belle passe. Qu'est-ce qu'il fait? Me fais pas rentrer Mbappé, s'il te plaît. Mais what? Mais pourquoi les gens ils quittent? Bon, moi en vrai, sympa, ça me fait une victoire de plus, mais. Pourquoi les gens ils quittent, sans déconner? Merci, hein, du coup, ça me fait 4ème victoire. Pam, 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 pam. Et il avait largement les moyens de remonter. Hein. Ah bon, on joue contre lui. Mais forcément.
Ah putain. Non mais gros, par contre, si tu mènes un 0, je vais pas quitter, hein, par contre, moi. Moi, j'ai mes pistes. Non mais il est sérieux, il va quitter. Mais bordel, mais c'est quoi ce gars? Bon, on va attendre un petit peu, du coup, pour pas retomber sur lui. On va attendre un petit peu. Je sais pas pourquoi il a pas voulu jouer, honnêtement. Je comprends pas. Il a une belle carte hein, quand même, Florent Mollet. Hein. Après, est-ce que je la jouerais? Ça, c'est une autre question. Mais bon, c'est gratuit. Hein. Ça prend juste beaucoup de temps. Je vais juste regarder les prix de certains joueurs. Donc, il y a Gnabry, il est à 50k. Un Cuadrado, il a pris une claque. 200 000, je vais me faire un gros bénéfice si je le revends. 14 000 Goretzka. Eriksen, il a combien? 40k. Bon, on espère pas retomber contre lui, hein. Vu qu'il aura quitté au bout de 3 de ses 3 ans. De toute façon, c'est le seul adversaire sur le réseau. C'est une Ligue 1. Ok, c'est une Ligue 1. Par contre, il peut avoir Mbappé sur le banc, vu qu'il n'y a pas de gros gêne dans son équipe. Il peut avoir Mbappé sur le banc, j'espère qu'il l'a pas. Parce que c'est vraiment. Franchement, ce joueur, il est abusément trop fort, Mbappé, honnêtement. Bon, en même temps, c'est un peu c'est l'égérie de cette année. Hein, donc, bon. Aïe, je vais me prendre un but. Bien joué à lui. Il a l'air de jouer en contre-attaque. Non mais putain, les passes, Keane, sérieux. Moïse Keane, les passes, c'est un délire. Allez, c'est remontable, hein, bien évidemment. Mais Keane, j'ose pas faire des passes avec, il est trop nul. Oh là là, mais Herrera, mais c'est quoi cette passe aussi? Ah oui, par contre, lui, c'est une de man, hein, c'est incroyable. Elle est contrée, non? Ou c'est de la merde? Non, c'est de la merde. Oh là là, c'était limite, hein. Oh non. Bien la défense. Je joue dangereusement.
Les Melou. Bien joué. Par contre, j'ai pas vu si c'était dans la surface ou en dehors de la surface. A mon avis, c'était dans la surface quand même. Hein. Ouais, je regarderai le ralenti. Par contre, c'était pas en finesse du tout comme frappe. Et son gardien, honnêtement, il était pas inoubliable hein, sur l'action, faut être honnête. C'était pas foufou. Hein. Donc, moi, c'est en défense que je suis pas foufou. On t'a vu, Atal. On t'a vu, Atal. On t'a vu, Atal. Ah, y'a faute là! Eh putain, il m'a crocheté! Y'avait faute là. Hein. Et par contre, je vais prendre un but sur la contre-attaque, évidemment. Bien gardien! Ah, y'a re-corner! Qui c'est qui prend des risques à la relance inconsidérée. Putain, et les passes, elles sont pas du tout appuyées, ça fait peur. On t'a vu, Moïse Kean, on t'a vu. Ah, la passe, elle est un peu trop forte, dommage. Putain. Elle est à côté, j'y crois pas. Putain, elle est à côté, sa mère. Bon, il a Koscielny sur le banc, qui est peut-être la version... Putain, il est sérieux, il connaît à tirer à côté. Moïse Kean a tiré à côté. Putain, j'y crois pas. Putain, je croque des occasions. Hein. Comme d'hab, en fait. C'était un peu débile de tirer, il y avait une marée humaine de jambes, mais... Ok. Mais pourquoi il met en pause à chaque fois, lui? Sérieux, frère. Il a Dolberg. Il doit faire peut-être la pause toilette. Ah, il fait ses changements, ok. Paul Lannes. Ok. Ça va, c'est pas des super subs quoi. Ah, par contre, Koscielny, si c'est la version flashback à 86, ça peut être compliqué à passer. La mi-temps. C'est con, on a pris une seule occasion, on a pris un but. Putain, 29% de possession de balle. du coup, il s'est réorganisé tactiquement. Non, il joue en 4-1-2-1-2. Putain, il a personne au milieu de terrain, on devrait en profiter. Au moins, ça va, c'est un mec qui respecte le défi, c'est-à-dire il met pas des Mbappé et des compagnies, ça c'est cool parce que bon. Ceux qui te font rentrer des Mbappé, ça m'énerve. Surtout pour un mode de jeu amical. Parce qu'en fait, les matchs qu'on fait, ça compte même pas dans le ratio, ça apparaît même pas dans le ratio de victoire et de défaite. Donc. Allez, Moïse Kean. Oh la frappe! Je me suis trop excentré, j'ai trop redirigé.
chef. Ah, il est vraiment prenable ce gars, hein. C'est moi qui crotte toutes mes occasions, ça fait chier quoi. Et le problème c'est que je vais le payer cash sur une seule action en vrai. Comme tout à l'heure. En gros le mec il m'a pris en contre-attaque et il m'a niqué. Donc là c'est ce qu'il veut. Oh les passes les gars, putain c'est laisse mes loups en plus, c'est son point fort les passes. Normalement. J'ai vu Moiskin. Oh mais c'est trop fort encore putain. C'est trop fort. Très beau tacle. Très beau tacle aussi de sa part. Bien Jason. Putain, j'étais con, j'avais une fenêtre de tir, j'en ai tiré. Éclaté la frappe, éclaté. J'attaque mal là. Faut que je joue plus simple à mon avis. Par contre, les contre-auto. Aïe aïe aïe. Bien. Ah mais merde! Salut Maxiano. Ah ouais je le fais ouais. J'avais dit que je le ferais, je le fais. Mais là c'est en mode amical. C'est le défi Florent Mollet où il faut jouer avec une équipe claquée au sol. Enfin elle est pas si claquée au sol l'équipe mais. Ah y'avait obstruction là, putain. Y'avait obstruction sur avoir là. Ah, c'est pas grave. Comment tu vas Maxiano? J'ai tiré à côté, c'est une blague. Non mais Moiskin, j'en peux plus là. Moiskin, mais comment il a pu ne pas cadrer? C'est pas possible. Putain, c'est incroyable ça. Tout seul face au cage, il cadre pas. Fabuleux. Bon après, hein, c'est pas forcément la carte, mais plutôt le joueur qui tient la manette. Hein. Putain, j'ai 50 000 occasions et je vais perdre. Merci Moiskin, putain. Enfin, fait du bien celui-là. Salut Blazoon59. Ok, j'y penserai après. Honnêtement, sur Twitch, je suis plus là pour le fun qu'autre chose. J'y réfléchirai si à l'occasion. Alors, il fait un temps dégueulasse, tu veux dire plutôt. Putain, mais ces musiques, je les connais même pas. C'est du Hotline, c'est censé être du Hotline Miami 2. Ça me dit ça me dit R. Soleil chez toi. Non, non, non. Mais, oh putain. Comment il a raté ça, je ne sais toujours pas. Comment il a pu rater cette occasion? Bon, en même temps, on en a raté 1 250 000 avant, donc... Ah putain, non. Putain, ça y est, il a activé le pressing. J'arrive pas à me ressortir les ballons. Bien joué. Allez, prends la profondeur, s'il te plaît.
Putain, je vais me faire niquer, hein, 100%. Hein. Allez, cours. Ok. Et par contre, le gars, il aime bien mettre en pause. Hein. Ah, il y a du boulot hein, pour concurrencer Vos Granic. quand tu vois ma super petite équipe à 77 de général, il y a du lourd, hein, attention. Hein. Benedetto, en même temps c'est une truffe Benedetto. Non. Ah, il connaît, aïe, ça va courir. Ah, mais les passes, les gars, appuyez les passes quoi, c'est. Putain, je vais me prendre un but avant la fin, c'est 100% sûr. Hein. Et Moiskin les passe, c'est même parce que. Ok, ça gagne, ouf. C'est un défi en ligne, ouais, ouais, non, en fait, c'est un défi en ligne contre des gens pour avoir une carte. Enfin, je t'explique tout ça, Maxiano. Par contre, je vais regarder c'est quoi cette musique parce que pour moi, c'est pas du tout de Hotline Miami 2. Ah, si. C'est du Hotline Miami 2, visiblement. Pas du tout au courant. Alors, c'est un défi pour avoir une seule carte, mais il faut farmer comme un coréen, quand même. Mais bon, c'est une carte gratos. Alors. L'objectif, c'est de récupérer la carte 86 de général de Florent Mollet, qui est une très belle carte et qui est gratuite, donc autant la faire. Donc pour ce faire, il fallait marquer 4 buts en dehors de la surface dans les matchs amicaux manager de talent. Donc on l'a fait en plusieurs matchs, donc ça c'est bon. Il faut gagner 15 matchs avec uniquement des joueurs de Ligue 1, donc là j'en suis à 5 sur 15, j'ai commencé aujourd'hui. Il faut marquer 30 buts avec uniquement des joueurs de Ligue 1. En ligne, il faut faire 20 passes décisives avec des joueurs de Ligue 1 uniquement en ligne, et il faut marquer un but en finesse avec des joueurs de Ligue 1 dans 6 matchs amicaux, et pour l'instant j'ai marqué des buts en finesse dans 5 matchs sur 6. Voilà, donc il faut faire tout ça, et quand tu as fait tout ça, et ben tu gagnes la carte à 86 de général de Florent Mollet. Voilà, donc ça prend un peu de temps, mais en fait vu qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire en ce moment dans FUT là, ben, du coup je me suis dit que j'allais faire cette carte, surtout que en fait hier il est sorti une carte qui est pas mal du tout, c'est celle de Youssef Attal en Europa League. Ça c'est un défi à mon avis il sera là tout le temps en fait celui-là. Il sera là tout le temps je pense. Pour moi il sera là tout le temps ce défi-là. En fait il expire dans 30 jours je crois. Mais après ils feront peut-être la même chose pour la Liga, la Serie A, la Bundes, etc. Donc celui-là, j'ai pas l'impression qu'il expire beaucoup. Et il y a la même chose, si tu veux, pour la MLS. Il y a des gens qui font les mêmes défis, mais pour la MLS. Donc pour avoir la carte de Boyan, la carte de Shenlong, la carte de Lima. Et, donc au final, parce que si tu regardes en ligne, dans Match Amico, c'est disponible encore 30 jours, tu vois. Et les règles, donc c'est une équipe à pas plus de 77 de général. Et une équipe avec 3 joueurs argent maximum et pas de joueurs bronze. Donc en fait ils mettent ça pour éviter que les mecs ils mettent des équipes, des joueurs bronze à 40 de général sur le banc pour pouvoir mettre des Mbappé en fait, histoire que les notes s'équilibrent. Donc voilà. Donc du coup moi je me suis fait une équipe à 77 de général mais de Ligue 1, avec ce que j'avais dans le club. Donc du coup Youssef Attal, Les Melou en carte fut champion, que j'ai gagné la semaine dernière. Moiskin à 74 de général, la carte argent, la carte défi argent que j'ai faite il y a 2 semaines. Et après, les fonds de tiroir que j'avais, donc du Jordan Amavi, du Tchaletatsar, du Soumaré, du Renato Sanchez, du Ander Herrera, du Awar, du Denayer et du Benjamin Lecomte. Voilà, donc rien de foufou, mais ça fait 77 de général. Et sur le banc, bah, des trompettes pour que la note descende un petit peu. Voilà. Parce que du coup, ça faisait 78 ou 79 de notes. Donc voilà. Donc du coup, je fais ce défi-là aujourd'hui. Après, sinon, j'ai d'autres équipes qui sont un petit peu plus sérieuses, entre guillemets. Notamment ma Serie A. Là ça déconne un petit peu moins tu vois. Là c'est pas les mêmes notes là tu vois typiquement là c'est plutôt du lourd là tu vois Dybala, Lautaro, le Cuadrado, le Alexandro, le Chesney, enfin là tu vois c'est une bien meilleure équipe. Et là bon les défis création d'équipe, il n'y a rien d'autre en ce moment. Donc du coup bah, je continue farmer le petit mollet.
Hop. Ah d'accord, mon jeu il a crash, ok, très bien, excellent. Heureusement qu'il a crash ici, hein. Excellent, le jeu il s'est fermé, ok. C'est FIFA, hein, les gens, hein. faut pas t'étonner. FIFA in a nutshell. Le jeu il avait décidé qu'il avait plus envie, quoi, donc il a fermé. Donc au début cette carte elle m'intéressait pas, mais bon bah vu qu'il y avait la carte d'Atal qui est vraiment pas mal. Plus j'avais du Lespelou dans le club, etc. Bon c'est gratuit, après si la carte après au final tu t'en sers pas, bah tu pourras toujours la balancer dans des défis de création d'équipe pour avoir des cartes que tu veux vraiment. Donc ok, on verra bien. Donc là c'est un peu le farming quoi, ce défi là faut farmer. Bah il y a Shigan, lui il l'a fait le défi mollet. Mais moi au départ c'était pas mon objectif, je le faisais pas, mais bon là j'ai plus que ça à faire en gros parce que là les matchs flash équipe, bon au bout d'un moment contre l'ordi c'est un peu chiant. Rivals, bah j'ai fait déjà les matchs via le fut de champion, donc du coup il ne reste plus qu'à faire mollet en ce moment quoi. Ou alors les cartes de MLS, mais les cartes de MLS je jouerai vraiment pas avec, donc au final. Donc là on va prendre la bonne équipe. Nanana, défi mollet. Et c'est parti. On va jouer contre qui? Moi tout ce que je veux pas voir c'est Mbappé, après le reste je m'en fous. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il a déjà la carte de mollet, il fait le défi, mais il est sérieux lui? Ah il fait le défi MLS du coup. Il fait le défi MLS, il a déjà la carte de mollet, putain. Et en plus il a une grosse équipe hein. Lui il a déjà la carte mais il fait le défi des cartes MLS. Il y a un autre défi en parallèle. Putain, j'y crois pas, l'autre il a déjà la carte de mollet. Enfin déjà, ça fait un moment qu'elle est disponible. Donc lui, c'est un mec qui s'est tué à la tâche déjà. Donc lui il va nous ouvrir en deux, hein, 100%. En fait il a mis un côté droit MLS, parce que MLS t'as besoin que de 8 joueurs. Tandis que Ligue 1 t'as besoin de 11 joueurs. Donc en fait il a mis que des joueurs de MLS, après il a mis mollet. Avec d'autres joueurs, mais là lui doit être fort. Ah, typiquement là il y a but déjà. Voilà. Ah oh putain, Vela, voilà, il a vraiment une grosse équipe, hein, franchement. Et lui, il a besoin de gagner pour le défi de Boyan. Lui, je pense qu'il va nous ouvrir en deux, hein, honnêtement. En vrai. Non mais, demander de faire des passes à Moiskin, c'est trop compliqué, je crois. C'est... Putain, il a un pressing. Faut que je fasse gaffe. Et j'ai vraiment du mal à faire des passes avec cette équipe, c'est incroyable. Oh la chatte. Bon, heureusement que je marque pas là-dessus, ça aurait été un peu moche. Bon, si je pouvais marquer sur le corner en vrai. À ma vie, attention. Hein. Ouh, dommage. Ouais, un but est un but, on est d'accord, mais après il y a des buts qui sont vraiment moches donc. Oh putain, et Piatti il m'a bouffé. Ok, là je vais me prendre un but en contre, 100%. Ah, j'ai eu deux occasions quand même là. C'était assez grosse occasion, mais. Putain, il est en train de m'enrhumer. Bien la défense. Le problème, c'est que je peux pas demander de faire des passes à Moiskin parce qu'il est nul en passe. Oh, il laisse Melou. Oh sérieux, mais c'est quoi cette déchatte? Oh la déchatte totale sur cette action. Barre transversale non rentrante. Bon alors c'est soit déchatte soit cracotte hein, c'est... Oh oui la passe.
Putain, c'est quoi ce gardien encore là? On tombe sur Neuer au cage. Oh putain. Je commence à cracoter là. Je rate trop d'occasions là. En plus, c'est Neuer au cage quoi. Enfin, c'est pas Neuer, c'est Vermeer, mais il me fait des arrêts là. Laisse tomber quoi. Puis en plus, il a du bol le mec. C'est dommage. Et vous savez comment ça se termine, hein. Je vais me prendre un but juste derrière. Ça, c'est... Dans FIFA, quand tu marques pas, derrière, tu te prends la sanction directe. Bien qu'elle était tard. Ah, mais ça peut le faire, hein, grave. Mais après, si je gagne pas, c'est pas grave. Moi, je veux au moins marquer un but, en fait. Et si possible, sur une frappe en finesse. Ah, mais Moïse Kean, il est vraiment... Putain, il est vraiment pas fou, en fait, ce jeu. Ah, il a bien défendu. Après, hein, pour l'instant, aujourd'hui, je suis à 2 victoires, 1 défaite. Bon, il y en a un qui a racheté au bout de 5 minutes. Bon, pas trop compris pourquoi, mais. Non, je suis à 3 victoires. Je suis à 5 là. Je suis à 3 victoires, 1 défaite pour l'instant. Mais lui il est prenable en vrai, hein, mais le problème c'est que pour l'instant j'ai pas eu de bol. Ou j'ai mal fini mes actions au choix. Allez Youssef Attal, fais-moi rêver. T'es un peu nul ce centre. Mais y'a quoi là? Ah y'a hors-jeu. Ah, oh, nique. Non, en vrai, c'est prenable, hein. Je me suis fait cueillir à froid, malheureusement. Oh, la passe dégueulasse, putain. Après, il l'a bien anticipé, hein, sur le coup aussi. Bien, ma vie. Non, mais la barre transversale non rentrante, celle-là, elle fait mal, honnêtement. Oh, putain, il défend bien. Allez, 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 cours, cours, Moïse Kean, cours. Je croque, putain, ça m'énerve. Je croque les occasions là. Mais en fait, en défense, il m'a niqué sur le premier but, quoi, la première occasion, malheureusement. Après, en défense, bon, là, je joue en 3-5-2, hein, donc... Allez, Attal, vas-y, Attal. Youssef Attal, mon défenseur droit que j'ai mis en buteur dans cette tactique. Ouais, je l'ai mangé sur le dribble, là, je lui ai fait un berbaspin, il a parlé chinois, là. Il a parlé chinois sur cette action, là. En fait, Youssef Attal, sa carte, elle est tellement ouf, je l'ai mis en buteur. Oh là 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 là, magnifique. Le doublé. 2 buts en 2 minutes. Bim bam boum. Voilà, on met nos scores du coup. C'était total football cette action. Hein. Total football. Ah putain, il a tiré une fois au cage. Maintenant, faut tenir. Il joue en quel compo du coup lui? On va regarder. Il joue en 4-1-2-1-2. Ok. Il joue en 4-1-2-1-2. Nous on joue en 3-5-2 du coup. Alors notre équipe elle apparaît en fait en 4-2-3-1. Mais après in-game je change la tactique pour passer en 3-5-2. Et du coup j'ai mis Attal en buteur. Parce qu'en fait les autres joueurs j'avais personne en buteur en fait en Ligue 1 qui rentrait dans l'équipe. Soit les notes ça allait pas. Donc j'ai mis Attal. Ah putain, ça, je vais me refaire cueillir à froid dès le début, 100%. Ah ça par contre, les pontes favorables, merci les gars. Oh putain, sa grand-mère. Putain, sérieux, mais... Putain, c'est un vieux but ça en vrai. Hein. Mais bon. Mais ça, c'est tout moi, hein. J'ai 50 000 occasions, mais il m'en faut 50 000 pour marquer. Et lui, il a deux occasions, il met deux buts.
Fait chier, putain. En plus, c'est sur un compte favorable, c'est ça qui est terrible, mais bon, c'est comme ça. Hein. Après, il contre-attaque bien, et moi, je défends pas très bien, là, typiquement. Bon, là, par contre, j'ai bien défendu. Il y a corner, mais il n'y a jamais corner là-dessus. Mais le gars joue bien, donc... Mais bon. On aurait pu avoir un peu plus de réussite, quoi. Ça aurait pas été un scandale, en vrai, mais bon. Oh, le contrôle Renato, putain. Puis bon, en vrai, lui, il a des meilleures cartes au poste qu'il faut. Hein. Il a Vela, Higuain et Mollet, ça fait mal, mais bon. Oh, Atal! Bien, Atal. Faut qu'on remarque. On a vu qu'on pouvait marquer, donc... Faut le refaire, quoi, c'est tout. Ah! Dommage. Oh putain, si elle passait. Ah, c'est dommage, si elle passait cette d'avant-dernière passe là pour l'Esmelou. C'était une belle action. Putain, et lui en 3 passes, il doit être en contre-attaque lui, je pense, 100%. Oh non. Ou en long ballon. Parce qu'un lui en 2 passes, il est dans mon camp. Allez, cours Renato. Mais tire! Putain, ça fait 3 heures que je demande de tirer, merci. Il est dégueulasse ce but par contre. Il est dégueulasse. À combien de mètres là? Ouais, on va tirer direct. Alors, est-ce que j'ai un bon tireur de coup franc dans l'équipe? Laisse mes loups, c'est pas mal. Aïe 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 aïe, j'ai défendu comme une merde. Mais c'est quoi cet arrêt? Pourquoi il arrête comme ça la balle lui? Bien Herrera. Bon là par contre, c'est un but de merde. Hein. Atal, eh oui, il est là. Ça c'est la PES, la classique. Bon par contre pas de but sur l'engagement. Bien de Nayar. C'était pas mal la frappe de Renato là en vrai. Oh non. Bien ma vie, c'est ça. Le rock.
Le rock de la canne-bière. Bon, finalement, Moïse Kine, ça va. Il y a faute là, monsieur l'arbitre. C'était un peu ambitieux, surtout que j'ai plus besoin de marqueur d'ordre de la surface maintenant. Bon, au final, ça partait mal, mais en vrai, on a pris un but à chaque début de période. Au final, on a gagné assez confortablement, au final. 5-2, ça me semble... C'est peut-être un poil sévère, mais au final, on a eu beaucoup plus d'occasions que lui, hein, en vrai. Donc ça me semble pas scandaleux qu'on gagne 5-2, en vrai. On va regarder les stats. On a mis des beaux buts. Je trouvais qu'on a mis des beaux buts. Claudio beau but. Ah, Youssef Attal, 2 buts, une passe D. Moïse Kine, 2 buts, 2 passes D. Tu vois les buts qu'on a marqués. Ah oui, là on l'a fait un berbaspin, on a aspiré son âme sur celui-là. Celui-là c'était quoi déjà? Ouais, un petit 1-2-3. Paf. Pas mal. Celui-là, c'est quoi? Ah, et celui-là, il est moche par contre. Celui-là, il est trop laid. J'ai pas compris. Celui-là, c'est un but honteux par contre. Et là, bon, bah là, c'est une PES en même temps. On va pas prendre de risques, hein. Et là, bon, ok. Bon, bah, du coup, c'est pas mal. Petite victoire de plus. Au final, on a cadré 14 tirs. C'est pas scandaleux de gagner ce match. Du coup, le défi mollet, ça a dû avancer. Là, normalement, les frappes en finesse, ça doit être bon. Ah putain, et les menus dans FIFA, c'est un vrai plaisir. Le jeu, il a planté encore ou... Quel jeu, mes amis? 60 balles. Ah, on a réussi tout en finesse. Ok, parfait. Donc là, maintenant, il me reste les buts et les victoires, en gros. But, passe, des victoires. Il me reste à faire 3 passes décisives. Donc là, en gros, c'est pas dur, hein. Je marque 3 buts et normalement, il y a les passes qui sortent derrière, hein. Il me reste 7 buts à marquer et il me reste 9 matchs à gagner, putain. Sachant que ce matin, j'étais à 0. Et j'ai commencé vers midi. En vrai, c'est pas mal. On a déjà fait 40% du taf. C'est pas mal. Et du coup, on a récupéré un joueur rare, noté 75 de général. On en a récupéré deux. On va ouvrir les packs, juste pour voir ce qu'on a eu. Et j'ai réussi... Ah, je suis niveau 29 cette saison. Ok, on va récupérer un Tifo, du coup. Je vais prendre le Tifo échec. Parce que j'ai déjà le logo échec, logo de club. Tifo échec. Hop. D'ailleurs, je vais le mettre dans mon stade. On va customiser le stade. Très important. Full Tifo. Tifo arrière-plan, on va mettre échec du coup. Hop, voilà. C'est plus joli. Alors du coup, les deux joueurs à noter 75 de général, on va les ouvrir parce que je pense pas qu'on aura quelque chose en vrai. Allez hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça va être? Mazraoui 77, Ajax, ok, pas mal, pas mal. Je n'ai jamais joué avec, hein, mais sauf s'il y a des défis eurédivisés. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, Naby Keita 81, c'est pas mal, ouais. Si je dois faire des défis première ligue, ah, je l'ai déjà, merde. Et je l'ai déjà en non échangeable. Zut. On va faire un SBC pour pas perdre de cartes. On va faire un SBC amélioration or.
En gros, pour pas jeter la carte pour rien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sacrifier 10 autres cartes, on va sacrifier des joueurs, dont Naby Keita. Et comme ça, après, on le récupère dans le club. Alors, il faut que des joueurs or. Alors, on va prendre des joueurs non échangeables. Or. En croissant. On va prendre les plus nazes. Non, mais pas Mbappé. Mbappé en prêt, non, peut-être pas non plus. Alors, croissant non échangeable. Alors, on a Ruben Sorino. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Qui c'est qu'on peut jeter? Lui, on s'en bat les couilles. Hop. Hop. On doit avoir des joueurs là. Alors. MC Espagne, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là. Après, l'idée c'est qu'on fasse un peu de collectif après. De défenseurs centraux. On va mettre lui et Fonte, je crois que je l'ai en. Je vais pas mettre Fonte en fait. Je vais mettre autre chose. On va mettre Sheka. Je crois que c'est un joueur que j'ai en double en fait déjà. Quoi? 43 de collectif, parfait. Hop. Ruben Sobrino, il est dans mon défi mollet. Ouais, on s'en bat les couilles. Hop. Du coup. Il me faut un autre joueur à 75 de général. Or. On va prendre. Il a une sacrée carte lui pour un défenseur gauche là. Hydrazal, hein. Sacrée carte. Tiens, on va prendre lui, tiens. Bon, du coup, on va aller ouvrir ce pack de joueurs, hein, tant qu'à faire. Pack de joueurs, au revoir. Voilà, on a jeté 10 joueurs pour pas perdre notre Naby Keita. Ça, c'est de la gestion de club, hein, typiquement. Qu'est-ce qu'on récupère en retour? On va récupérer des joueurs qu'on a déjà en double, ça va être génial. Mathia Perrine 82, je crois que j'ai déjà. Ah non vendable, putain, mais. Chier. Mais c'est quoi cette musique? Pareil, au Tamiya, je la connais pas celle-là. Roller Mobster. Ah, c'est un remix, ok. Allez, peut-être la meilleure musique. Bon, du coup, on est reparti pour Mollet. Donc là, on a juste besoin de gagner des matchs maintenant. Enfin, juste. On a besoin de marquer des buts, de faire des passes et de gagner des matchs. C'est déjà pas mal, hein. Et lui. Oh non, mais non, mais sérieux, mais c'est quoi ces. Ça, c'est un enfant de plage. Putain, il a mis Mbappé. Non, mais. Putain. Mbappé en prêt. Non, mais ça. Bah, vous allez voir que Mbappé va me trouver le cul, hein, 100%. Hein. À moins qu'il le joue en milieu de terrain, mais j'y crois pas du tout. Mbappé, putain. C'est pas possible. C'est sur un mode de jeu amical en ligne, Mbappé. Il le joue en 10? Attends, il le joue mieux de terrain sur Mbappé ou. Après, s'il le joue pas buteur. Allez, je me disais quand même.
Tain, il m'a bien lu là, bien joué. Ah mais il a Florenzi, non mais c'est quoi cette équipe qu'il a le mec? Tain, sur le banc il doit avoir des chèvres hein, parce que... Pour que ça fasse 77 de général... C'est quoi cette frappe qui appuie un peu? Après, hein, faut pas que j'oublie que c'est une carte argent aussi, hein, j'en demande peut-être trop. Allez, je vais me faire trouver le cul par Mbappé, c'est parti. Putain, il a Gelson Martins en plus, putain. Putain, il a v'là les joueurs méta, quoi. Hop là. Bien défendu. Bon, mal relancé par contre. Ah putain, mais non! Bien, ma vie. Putain, elle passe sous mon joueur. Mbappé qui se fait manger par Soumaré de 75 de général, lol. Faute là! Ah bah oui, bien sûr. 25 mètres. Elle a touché la barre, non? C'est pas lui que j'avais demandé la passe. Oh les passes de Keane mais... De sous-marin, je sais pas qui c'était là. Tu demandes une belle passe en profondeur, y'a personne quoi. Catastrophique en passe. Ah, il a l'air jouable le gars en vrai. Hein. Il a que son Mbappé au final. Et il a pas l'air de le jouer en attaquant en plus donc. Ah, par contre s'il a les comptes favorables ça va pas le faire. Mais pourquoi? Mais j'ai rien fait le pire. Il appuie sur aucun bouton, putain. C'est quoi cette passe? Oh là là. Oh oui. Oh! Faute. Ah oui, il y a faute. Ah putain, ça va être un match de merde celui-là. Hein. Renato, la conduite de balle Renato.
Bien joué Moïse Kean. Ah, il fait du bien celui-là. 45ème minute. Bam, bam, bam. Pas le plus beau, mais bon. Gros match. Alors, je vais juste voir si j'ai bien une passe d'ess. Yes, c'est bon. Parce que des fois, les passes d'ess, elles sont pas trop comptées. C'était pas mal fait ça, c'était pas mal construit. Il y a peut-être mieux à faire, mais en vrai ça va. Ouh, dommage Moïse. J'y ai pas cru, je suis un chacal, putain. Je suis un croqueur, j'y ai pas cru. C'est fatal, messieurs, dames. Ah, ça va, je quitte. Merci. Merci pour la win. Bon, le dard RFC, ça va. On progresse pas mal. On a fait la moitié en vrai, hein. Niveau victoire, on a fait la moitié. Ah oui, j'ai ce putain de joueur de Perrine. Ouais, tant pis, je vais le balancer, Perrine. Et pas mal cette équipe en vrai hein, au final hein. Faut juste que je sache bien que mes joueurs ils sont pas très forts en passe quoi. Notamment Moïse Kean hein. Putain qui est claqué en passe. Alors notre adversaire il fait le défi Ligue 1. Ouh belle attaque. Belle attaque, putain mais il a que les joueurs de l'OL en fait. Il a Cornetto, c'est bon on a gagné. Ah il a Atal aussi, belle équipe hein. Par contre il y a le mec au milieu de la draine, on sait pas trop ce qu'il fait là. Le DG là. Faut qu'on fasse gaffe hein. Memphis et Moussa Dembélé devant. Ça peut faire mal. Je pense pas qu'il ait Mbappé sur le banc parce qu'il a comme déjà des gros gènes. Il a des plutôt gros gènes dans son équipe. Par contre, je suis curieux de voir comment il le met, s'il reste vraiment avec son MG. Ah non, par contre, les comptes favorables, ça va aller 5 minutes. Ah, putain, j'arrive pas à me relancer. Je vais me prendre un but au bout de 30 secondes, on la connaît. Non, c'est bon. Bien joué ça. Bien joué ça. Déjà on n'a pas joué pour rien. Je suis qu'on avait un but. Je t'ai vu Renato. Putain, les passes de Moïse Kean, s'il vous plaît. Là, les 60 en passe sur sa carte, je les trouve même généreux en vrai. Hein. Bien défendu, Renato. Oh là, l'accélération de Youssef Attal. Youssef Attal. Youssef Attal. Pa 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 pa. Youssef Attal, c'est fatal. Il veut m'embrouiller avec ses gris-gris. Oh dommage, putain, si là ça passait.
Putain, c'est quoi ce pressing ultra agressif qu'il a? C'est un délire là. En gros, tu passes pas, hein. Tu passes pas en der. No pasaran. Oh, laisse Melou le caviar pour Youssef Attal. Ah, mais gros, là, tu t'es... Là, le mec, il a décalé son gardien, et il m'a ouvert les cages. Bon, du coup, ça sent le rage kit là. Pa, 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 pa. Mais on roule sur le défi. Pour l'instant, on roule sur le défi. En mille premier match. Pa, 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 pa. Total football, encore une fois. Par contre, on gagne zéro crédit. Putain, elle est lourde cette équipe en vrai. Hein. T'as Youssef Attal en buteur, c'est un monstre. Il est trop fort. Il est trop fort, Youssef Attal. Abusé. 3 tirs cadrés, 3 buts hein, au passage. Bon. De toute façon, au bout d'un moment, on va forcément perdre. Hein. Ah, on a réussi un défi. Attendez. Non, ici quoi? Les buts ou les passes D, non? Ou les deux? Ah, il nous reste deux passes. Ah, il nous reste deux buts à marquer. Bon, sachant que les buts, on est obligé d'en marquer si on veut gagner. Ok, il nous reste juste à faire 7 victoires. Ok. En gros, il reste 7 victoires et on a fait mollet. Putain, en une journée pour l'instant. Enfin, en une journée. Même pas, en une demi-journée, c'est pas mal. Hein. Bon, si ce match il va au bout, je pense que ça sera le dernier, ça fera 2 heures de stream, ça sera très bien. Ah merde, j'ai pas vu le ping était dégueulasse, merde. Bon, lui par contre il fait le défi MLS. Belle équipe. Putain, il a Matuidi. Il a Blaisou. Oh, il a le tifo Kylian. Alors comment tu joues? Ne me dis pas que t'as Mbappé sur le banc par contre. Non, il a Koundé. Et il a des mecs que je connais pas. Ok, donc il joue pas avec Mbappé sur le banc. Merci à lui. Merci à lui. Merci à lui d'être fair play. Par contre, il a Martinez devant qui est très très fort. Qui nous a bien trouvé le fion tout à l'heure d'ailleurs au passage. Oh non, par contre c'est... Les Mongols qui démarrent avec des jongles par contre, s'il vous plaît quoi. Faut se méfier de lui, hein. Je pense qu'il lui joue bien. Non, ça ne passe pas. Aïe. Il a bien anticipé. Au bout d'un moment, on va forcément perdre un match. Hein. Bien défendu, on s'est pas jeté. Oh le contre! Pfff. Oh lolololo. Incroyable. Ah ce contre. En plus je joue même pas en style de jeu contre-attaque. Incroyable. On a peut-être eu un peu de réussite aussi. Hein, il a enlevé longue. Ah d'accord, c'est peut-être pas la version longue la bonne du coup. Ouais, Oussem, on t'a vu, Oussem. Ah, Oussem, dommage. Ah, j'ai trop poussé ma balle, putain, dommage.
C'est quoi cet arrêt? Bon. Je vais un peu tirer dessus, certes, mais putain, bel arrêt. Ah putain, mais le mec il fait que courir, hein. C'est quoi cette frappe? Ridicule. Oh la frappe, putain. En même temps, j'avais pas d'autres... Oh oui. Putain, il a pas pris la profondeur. T'es un peu hors jeu là. Hein. Oh putain, j'avais fait une passe ultra risquée. Bon, nous aussi, on court un peu sur les côtés. Hein. Oh, c'est quoi cette passe, putain, mais. Qu'est-ce qui. C'est quoi ce. C'est pas lui que je voulais la faire. Aïe aïe aïe. Alors je sais pas si c'était le meilleur choix, mais au moins c'était osé. Ok, et pour nous. Même pas ? D'accord. Bien. Eh mais putain, il m'a blessé mon joueur. Le problème c'est que sur le banc j'ai Son Père. Hein. Bien Renato. Enfin Renato milieu gauche, ça c'est de la. Passe. Ah oui, et oui. Le trouage en contre-attaque. Ouais, mais eh, le compte, par contre, il est nul à chier au cage. Hein. Le compte, Jean-Michel plongé à contre-temps, bien joué. Ah, j'ai fait de la merde, mauvaise passe, et bien joué à lui. Bien joué à lui. Putain, le compte, c'est un délire. Par contre, il plongeait pas, il marquait. Ouais, le compte, c'est un délire. Par contre, le ralenti. C'était pas forcément nécessaire, mais bon. Pff, ce putain, le compte, mais c'est une blague, par contre. Oh, les passes, mais putain! Ah, je suis statique en attaque, là. Ouais, ce match, j'ai l'impression qu'il va pas être pour nous. Ah non, mais par contre, lui ici. Putain, c'est Oussem qui est revenu, hein. Corner. On marque sur le corner là. La 45ème, on marque sur corner, 100%. Il faut siffler la mi-temps. Ah putain, ça fait chier d'avoir pris ce but à la fin là. Ah, le compte, le plongeon magnifique, le pire plongeon que j'ai vu cette année. Ah, il a cadré un tir, nous on a cadré deux, hein. C'est pas non plus énorme. En tout cas, on aura bien avancé, hein, quoi qu'il en soit, sur le défi mollet, là, en 2 heures.
Toronto la passe. Je le sens pas ce match. Oh, c'est quoi cet arrêt, putain? Oh putain, on l'avait bu sur les dribbles! Dommage. What? Bon bah là il y a but. Bien joué. Putain, on se fait trouver en contre, c'est abusé. Oh mais il y a faute là. Il m'a découpé mon joueur. Ça y est, maintenant qu'il mène au score, il va jouer comme une. Comme une PUT. Il y avait giga faute quand même au départ de l'action. Putain, il m'a bu là sur l'action de Nani. Hop là. Il y a une énorme faute, putain. Ça va qu'on va marquer sur le coup franc, hein, parce que... La barre. Ah, beau petit tacle, Eric Dimeco. Faut reprendre à la balle, miracle. Ouais, il y a encore le temps de revenir au score, hein, mais... Oh mais oh Moiskin les passes putain mais oh putain c'était Atal à la passe et Kin à la finition c'était but là.
J'arrive pas à trouver la profondeur avec Keane, c'est chiant. Aïe 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 aïe. Oh, bien défendu. Compliqué ça. Non mais par contre il y a faute là. Le mec il fait des tacles un peu anti-jeu et il est récompensé là. Par contre je suis pas d'accord là. Là vous pouvez être sûr qu'il va tacler comme un débile jusqu'à la fin de la partie. Putain, Aouar il a plus rien dans le réservoir. Dommage. Bon bah on a perdu. Ah c'était pas mérité je trouve mais bon. Bon il a bien joué sur les actions qu'il fallait qu'il joue bien. Puis voilà. Putain il a cadré qu'une fois je crois. Enfin deux tirs. Pas grave. Pas grave, pas grave. J'aurais quand même bien progressé sur les défis aujourd'hui donc je suis content. Bon, il me reste à gagner 7 matchs en gros, ça va. Sachant qu'en une journée j'en ai gagné 8. Il y a moyen que ça soit terminé prochainement quoi, donc c'est cool. Bon écoutez les gens, je vais m'arrêter là-dessus. Au final ça fera 2h tout pile, bah, j'ai bien kiffé honnêtement. Alors, ça sera peut-être à refaire pour les petits défis amicaux comme ça où on ne prend pas trop la tête parce que bon, honnêtement en fut de champion ça joue un peu trop sa daronne. Et il faut vraiment être concentré et être vénère pomme de terre. Donc pour les petits matchs amicaux comme ça, pour débloquer des cartes, etc. Des petits défis, je trouve que c'est sympa en vrai. Puis ça fait des défis un peu originaux. Donc avec des équipes originales. Donc on se garde ça sous le coude pour des prochains tests de stream. Bon, en tout cas j'ai bien aimé, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne fin de jour férié. Des bisous et puis à la prochaine. Salut tout le monde.